11. Très chers téléspectateurs, c'était les dernières actualités du cinéma camerounais et de l'Afrique dans la rubrique 11 News. Nous passons tout de suite aux coulisses du film Rêve brisé, réalisé par Eric Dipo, produit par Possifilm, avec les acteurs tels que Octavie Pondo, Mira Bika, Tony Nobody, Alain Bomo Bomo, Julia Samantha et j'en passe. Hello, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Tony Paul Marcel, a.k.a. Tony Nobody, to become somebody. Mais voilà, je me retrouve ici dans ce projet. Le titre du film, c'est Rêve brisé. Voilà, j'ai eu la chance d'être appelé par un très jeune et très talentueux réalisateur, Eric Dipo, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui me donne la chance de jouer un rôle aux antipodes de ma personnalité, de ma vie. C'est un père très responsable et voilà. Et c'est une histoire d'une fille qui n'écoute pas ses parents et qui, bon, je ne peux pas vous dire tout, sinon vous n'allez pas voir le film. Mais en fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que c'est un projet énorme. C'est des jeunes Camerounais qui se battent bec et ongles pour la réussite d'un projet comme celui-là. La dextérité en termes de technique, franchement, je kiffe. Je kiffe aussi l'ambiance, la bonne humeur, des jolies femmes. Bon, dites pas à ma femme que j'ai dit ça. Donc, ça marche super fort. On mange le pain haricot, parfois un peu de riz, un peu de malaxé, voilà. Donc, l'ambiance est bonne. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Attendez très vite. Et je partage la scène avec une charmante fille, qui est ma femme, mon épouse, Myria. Oh, le nectar à la camerounaise, je vous dis. Une Africaine très talentueuse en tant qu'actrice, une âme très positive. Donc, j'aimerais faire un clin d'œil à cette jeune camerounaise. Et sans oublier aussi ma fille à moi, Madel, qui est très, très talentueuse. Je l'appelle Lolita. Donc, je vous mets de l'eau à la bouche pour que vous alliez voir ce film. Parce que moi, je l'ai kiffé en le tournant. J'imagine que vous allez l'aimer en le regardant. Voilà. Et ton père, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Il s'y oppose, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter avec lui. Je dis, mais pas mal qu'à Djamli. Les libili, mon goût est bien meilleur. Il y a normal. Tu épouseras David, que tu le veuilles ou non. Après avoir pris ça, tu te sens comme dans une grande extase. Comme si plus rien autour de toi n'avait de l'importance, tu vois un peu. En fait, tu te sens libéré de tout. Salut, salut, je m'appelle Octavie Pondo et comme je le dis souvent, c'est toujours un immense plaisir pour moi de faire partie d'un nouveau projet. Qui dit nouveau projet, nouvelle dose d'adrénaline, nouveau personnage et dose d'expérience maximale. Alors, dans le projet Rêve brisé de Eric Dipo Meïna, j'incarne le personnage de Madel. Un personnage qui m'a tout de suite captivé parce que Madel évolue au fur et à mesure qu'on avance. Au début, on a une fille pieuse, de bonne famille, et ensuite, elle sombre, elle devient une panthère, et plus tard, elle se donne à la drogue, donc elle est totalement dégradée. Et moi, c'est ce qui m'a tout de suite accrochée parce que c'est un défi. Sortir de moi, rentrer dans un personnage et essayer de faire le maximum pour que ce soit crédible. Et pour ajouter à ça, j'ai des partenaires de scène incroyables. Il y a Alain Bomo Bomo, Myria Bika, Samantha Edima et mon papa Tony Nobody. Et tout ce que je souhaite à ce projet, c'est qu'il aille très loin parce que des énergies positives se sont réunies pour donner le maximum. C'est vrai que sur ce plateau, on a eu beaucoup de problèmes, mais malgré tout ça, on a pu surmonter tous ces obstacles là et j'en suis fière parce que nous arriverons jusqu'au bout pour vous présenter ce projet là. Princesse, tu as vu l'heure? Pourquoi? Il s'est fait tard. Et tu devrais songer à rentrer. Non, bébé, je n'ai pas envie de rentrer à la maison maintenant. Tu veux nous créer des ennuis ou quoi? Les ennuis, je les ai déjà. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi, ça? Tout ce que je veux, c'est céder. Anticiper sur les choses. Avant que mes illusions ne vous l'enfument.
Qu'est-ce que tu fais? Ça ne se voit pas. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie? On sait.